Luxeuil-les-Bains, il y a ceux qui y viennent pour ses eaux et qui découvrent la pierre. Et il y a ceux qui viennent pour la pierre et qui se jettent dans ses eaux. Des termes millénaires, un trésor mérovingien découvert en plein centre-ville, sa dentelle remarquable, une calligraphie qui a marqué l'histoire de l'écriture. Le Luxeuil d'aujourd'hui regorge de merveilles extraordinaires ou ordinaires, parfois méconnues et pourtant historiques. Mais la réputation de cette ville reste souvent obscure au-delà des frontières de la Franche-Comté, ici, au cœur de la Haute-Saône. Et pourtant, elle mérite le détour. Ils sont curistes, guides, collégiens ou archéologues. Nous partons à la rencontre de ceux qui font vivre ce patrimoine hors du commun, à la découverte des petits secrets de ce bourg chargé d'histoire, de cette cité thermale née des eaux. Mais en fait, ça fait combien de temps toi, que tu viens ici? Ça doit faire 6 ans. Ça fait 6 ans que tu es en cure. Et puis, depuis que tu es en cure, tu ne prends plus de médicaments, tu ne prends plus d'anti-inflammatoires, c'est quand même vachement positif. Ça serait bien que tu viennes avec moi, voilà. Je crois. Tu verras. On va essayer, on verra bien. Colette est une habituée de la cure. Elle vient à Luxeuil depuis des années pour soigner ses soucis circulatoires. Arsène, son mari, lui, n'a jamais franchi le pas. On est en pleine forme, on va dire. Ici, on soigne avec l'eau thermale les problèmes gynécologiques, phlébologiques, les rhumatismes et les douleurs musculaires. On prend soin des corps et on croit dans les bienfaits de l'eau. Aujourd'hui, une cure dure 21 jours. Autrefois, elle était réservée à une élite. Mais depuis l'après-guerre, la médecine thermale est accessible à tous, avec une prescription du médecin. Donc pour monsieur, première cure. Voilà. On est pour nous convertir. J'ai du mal de me décider, mais c'est vrai. Oui. Parce que depuis qu'elle est en cure, est-ce qu'elle va bien? Oui. Elle a plus mal au dos, elle a plus mal nulle part. Puis comme moi j'ai un problème de dos, ça doit me faire que du bien. Et qu'est-ce qui vous empêchait de venir en cure avant? Parce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas se promener avec sa petite serviette, son petit sac. Je vais vous remettre vos plannings de soins. Ces plannings sont très précis et les soins minutés. Il faut réussir à faire défiler chaque jour des centaines de curistes entre les murs de la cure pour une dizaine de soins très ciblés. La France est un pays de tradition thermale. Chaque année, 500 000 patients partent en cure. Mais Luxeuil-les-Bains est restée une petite station presque familiale à échelle humaine. Ici, tout le monde se connaît. Et cela fait plus de 2000 ans que cela dure. C'est l'esprit qu'Éric Chavanne, le directeur, cherche à préserver. Voilà, dans nos murs, enfin. Bonjour madame, qui est une habituée maintenant. Bonjour madame. Allez-y, je vous en prie. Venez, je vais vous accompagner pour cette première. Je pense que vous connaissez quand même l'établissement thermal, un petit peu. Hein, toute son histoire, il y a 25 siècles d'histoire de thermalisme sur le même site, ce qui est tout à fait exceptionnel à Luxeuil-les-Bains, puisque le thermalisme existait depuis les Étrusques, 5 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à maintenant. Avant les Romains, bien avant les Romains, oui, 5 siècles avant Jésus-Christ. Et jusqu'à maintenant, avec des hauts et des bas, bien entendu, avec des bâtiments différents qui ont été construits, reconstruits. Et celui-là est du 18e et des années 30. Voilà. Oui, c'est très très ancien. C'est très rare d'ailleurs d'avoir du thermalisme sur le même lieu pendant aussi longtemps. Donc on a ce privilège à Luxeuil, en plus de la qualité de l'eau, d'avoir aussi une histoire tout à fait bien remplie. Bon séjour chez nous. De toute façon, on se verra souvent dans la matinée.